Place au troisième thème de la journée. Ça sera les cancers de l'utérus, actualité et de prise en charge. Ça sera présenté par le professeur Bnania Omar, qui est médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, procréation médicale assistée et fécondation in vitro et conservation des gamètes. Alors, on va essayer de parler des cancers de l'utérus. Je vais vous donner quelques actualités tout en insistant sur le rôle du médecin généraliste. Nous allons insister sur le dépistage de ces cancers. Alors, on entend par cancer de l'utérus les cancers du corps de l'utérus et le cancer du col, qui sont deux entités anatomopathologiques différentes et dont la prise en charge est différente. Pour les cancers du corps de l'utérus, nous avons le cancer le plus fréquent, c'est le cancer de l'endomètre, qui est une entité très connue et dont le traitement est codifié. Puis, il y a les sarcomes utérins, qui sont une pathologie heureusement rare et le pronostic très fâcheux. Et puis, nous parlerons du cancer du col, où, comme vous savez, il y a le cancer épidermoïde du col ou de l'exocol qui reste le plus fréquent et qui est en rapport avec les MST, essentiellement les virus oncogènes, on en discutera. Et puis, vous avez le cancer de l'endocol, qui est un adénocarcinome, et qui, là aussi, qui, dont le traitement est différent. Alors, pour le cancer du col de l'utérus, constitue le deuxième cancer chez la femme marocaine, après celui du cancer du sein. Comme vous savez maintenant, à partir de 1987, le cancer du sein devient le premier cancer au Maroc, après le premier cancer au Maroc. Le cancer du col était le plus fréquent. Actuellement, c'est en deuxième position. En France, il reste huitième chez la femme. Donc, j'ai essayé de faire une comparaison avec la France où les programmes de dépistage sont très poussés. Où l'âge moyen de survenue est de 53 ans. Et bien sûr, c'est un cancer qui est lié aux lésions précancéreuses qui précèdent de plusieurs années la survenue du cancer du col. Et donc, qui peut faire l'objet aussi d'un traitement. Ces lésions précancéreuses, lorsqu'on fait une colonisation ou un traitement par laser, on va prévenir la survenue d'un éventuel cancer du col. Les virus oncogènes, ce sont les papillomavirus, on en parlera, et c'est une maladie qui est sexuellement transmissible, bien sûr. Il y a plusieurs virus oncogènes, qui sont une vingtaine à peu près. Alors, si toutes les femmes qui âgées de 25 à 65 ans étaient régulièrement dépistées, on aurait voir disparaître 70 à 80% des cancers du col. Qu'en est-il de la vaccination? Donc, en France, la vaccination est courante pour chez les fillettes de 9 à 14 ans. Elle est recommandée. Alors, j'ai essayé de vous donner les recommandations européennes récentes de 2020-21. Alors, donc pour les femmes ou les enfants entre 15 à 23 ans, pour les femmes jeunes, on peut faire une vaccination de rattrapage, mais ceci, qui est très important, ne remplacera jamais le dépistage par le frottis entre 25 et 65 ans, même chez les femmes vaccinées. Les modalités de dépistage, alors en France, on a recommandé les tests HPV au risque ou HPV HR sur le frottis qui sont malheureusement coûteux et qu'on ne peut pas préconiser chez nous. Donc au Maroc, rien ne remplacera le frottis cervico-vaginal classique qu'il faut faire chez toute femme en période d'activité génitale, donc tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Alors, il y a plusieurs papillomavirus, donc dont 13 qui sont à haut risque oncogène connu, le 16, 18, 32, 34, etc. Alors ce sont donc des lésions précancéreuses et le cancer du col sont en relation dans 90% des cas. Ces lésions peuvent être responsables de cancer de l'anus, de l'oropharynx, de la sphère ORL. Un cancer est nécessairement la conséquence d'une lésion transformante
précancéreuses. Vous savez que les dysplasies cervicales, qu'on appelle les CN, donc on passe par 4 étapes, le SPI, le Subclinical Papillomavirus Infection, puis le CN1, CN2, CN3. Et CN3, c'est un carcinome in situ. Et pour passer d'un carcinome in situ à un carcinome invasif, il faut au moins 4 à 8 ans. Donc, on a le temps de faire les frottis. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur l'importance des frottis cervico-vaginaux. Alors, quel est le rôle du médecin généraliste? Le dépistage cytologique pour toutes les femmes asymptomatiques de 25 à 65 ans, y compris les femmes enceintes, ménopausées, vaccinées contre les infections HPV ou immunodéprimées. Donc, on fait deux tests à 6 mois, à 1 an d'intervalle pour éliminer les faux négatifs. Et puis, on fait donc un frottis tous les 3 ans chez toute femme asymptomatique. Quand une femme est symptomatique, on passe au diagnostic et on sort du dépistage. Le médecin généraliste intervient beaucoup dans la proposition de dépistage lorsqu'il est éligible, dans la sensibilisation des patientes et leurs recommandations pour faire les dépistages, pour l'orientation et les prescriptions des tests de dépistage, essentiellement le frottis, dépistage au cabinet, bien sûr, pour la réalisation des prélèvements, en consultation, en ambulatoire, et de faire des nouveaux dépistages 3 ans après, en l'absence de symptômes. Et bien sûr, lorsque une cytologie est normale, donc c'est 96% des cas, on recommande un nouveau dépistage 3 ans après. Lorsqu'il y a une anomalie, on oriente vers le spécialiste, bien sûr, pour une prise en charge. Le médecin gynécologue intervient aussi dans la même chose, dans la sensibilisation, l'information et la réalisation. Et là, il peut intervenir en cas de cytologie anormale pour faire une colposcopie, une prise en charge de ces lésions prénéoplasiques. Alors, vous savez que le diagnostic du cancer, la décision thérapeutique repose sur des lésions anatomopathologiques. Le frottis ne peut pas indiquer un traitement, donc il faut automatiquement une biopsie. Donc, pour les lésions infracliniques, le diagnostic repose sur l'examen histologique de la pièce de colonisation. Et bien sûr, donc les éléments histologiques sont nécessaires pour le diagnostic, pour examiner la profondeur maximum de l'infiltration tumorale, le degré d'extension, la présence d'embole, qui sont autant de facteurs pronostiques qui interviennent dans la décision thérapeutique. Pour les lésions macroscopiques, il faut donc là aussi la biopsie, c'est elle qui confirme le diagnostic de l'infiltration et précise le type histologique dans la classification de l'OMS, refaire des biopsies si nécessaire et la recherche de génotypes du papillomavirus peut être utile en cas de rechute ultérieure. Sur pièce opératoire après traitement néoadjuvant par chimio-radiothérapie, l'anapath précise la taille et l'infiltration en profondeur et bien sûr les berges de la lésion. Devant tout néon du col, il faut faire un examen, un bilan initial, l'imagerie. Donc un examen gynécologique et des biopsies et un examen gynécologique, c'est l'examen gynécologique sur lequel on va faire des touchés pelviens pour faire la stadification. Le stade repose sur l'examen clinique. L'imagerie peut être recommandée, l'IRM pelvienne et lombo-aortique pour le bilan local et régional. L'IRM lombo-aortique peut être remplacé par un scanner lorsqu'il y a, la patiente n'a pas les moyens. On peut préconiser un PET scan en option pour les stades au-delà des tumeurs qui sont limitées au col. Pour les stades 1B, un scanner thoraco-abdominopelvien est une option. Le curage lombo-aortique par voie celluloscopique peut être proposé pour la stadification des lésions au début. Et donc, bien sûr, les possibilités de préservation de la fertilité sont à évoquer chez les femmes en âge de procréer, donc soit une transposition des ovaires, soit une cryocongélation ovarienne. La classification de la FIGO repose sur l'examen clinique. Donc, on a le stade 1, c'est des lésions qui sont limitées au col. Le stade 2, c'est des lésions qui dépassent le col, mais sans atteindre la paroi pelvienne. Donc, on a le stade 2A avec une atteinte du tiers supérieur du vagin. Le stade 2B avec une atteinte des paramètres sans atteindre la paroi pelvienne. Et pour le stade 3, donc, ce sont les tumeurs qui sont étendues jusqu'à la paroi pelvienne. Pour le stade 4, bien sûr, c'est des lésions avec des métastases à distance.
Le traitement du cancer de l'utérus, donc selon le stade, repose sur la chirurgie et la radiochimiothérapie concomitante. La chirurgie est principalement utilisée pour traiter les tumeurs limitées au col. Et par contre, la radiochimiothérapie constitue, donc concomitante, est une association de radiothérapie externe, curithérapie et chimiothérapie pour les traitements au-delà de 4 cm. Donc, pour la chirurgie, on peut proposer soit une conisation pour les lésions de carcinome in situ, on peut faire une hystérectomie totale pour les lésions qui sont limitées au col, ou le traitement de référence reste la CHE ou l'adénocolpo-hystérectomie élargie. La célioscopie peut être envisagée, donc ce sont les nouveautés pour le stade 1B, moins de 1B. Par contre, pour le stade au-delà de 1B, c'est la laparotomie qui est recommandée. Donc, pour les techniques actuelles, comme le ganglion sentinelle, il peut être une option pour les stades au début, pour le stade limité au col. Le curage lombo-aortique, il est systématique pour les tumeurs au-delà du stade 1, donc stade 1B et au-delà. Pour les tumeurs du stade limité au col, stade 1 par exemple, on peut envisager une technique de ganglion sentinelle. La chirurgie de clôture, c'est-à-dire après une radiochimiothérapie, n'est pas systématique. Il est à discuter en fonction de la réponse à la curithérapie. Pour les stades très précoces, chez les femmes qui désirent une grossesse, on peut faire un curage pré-célioscopique pelvien premier par le ganglion sentinelle, suivi d'une conisation ou d'une amputation du col si les ganglions sont négatifs. Comme ça, on préserve la fertilité chez ces femmes. La conservation ovarienne est possible pour les stades moins de 1B, chez les patientes non ménopausées, soit par une transposition ovarienne, soit par une cryoconservation ovarienne. Donc la surveillance, là, le médecin, comme a expliqué M. Monchid, le médecin généraliste a une place importante. Donc l'interrogatoire et l'examen clinique de façon périodique. Les examens paracliniques sont une option, ne sont pas toujours systématiques. C'est l'examen clinique qui pose l'indication de ces examens. L'hormonothérapie substitutive de la ménopause peut être préconisée, n'est pas une contre-indication, uniquement pour les carcinomes épidermoïdes. Par contre, pour les adénocarcinomes, il faut les discuter. Alors, le cancer de l'endomètre, c'est un cancer de la femme ménopausée. Il prend de la place chez nous. Il est le troisième après le cancer, le sein, le col et donc l'endomètre. En France, il reste le cancer le plus fréquent. L'âge moyen se situe entre 68 ans, donc chez la femme ménopausée. Les principaux facteurs de risque sont l'obésité, le diabète et le traitement par le tamoxifène, qui est actuellement connu. Il est toujours évoqué devant des métrorragies. Et donc là, il faut faire un diagnostic précoce, c'est dire l'intérêt de l'examen clinique et de l'échographie. Et devant toute hypertrophie endométriale à l'échographie, toute épaisseur de l'endomètre supérieure à 10 mm impose une hystéroscopie avec un curetage biopsique. C'est la seule façon pour faire un diagnostic précoce et avoir un bon pronostic. On sait que pour les cancers de l'endomètre, pour les stades 1 et 2, on a de très bons pronostics, surtout lorsqu'on a un carcinome endométrioïde. Le traitement de référence ici est chirurgical, contrairement au col qui est radiochimio-chirurgical. La chirurgie est éventuellement complétée par l'irradiation ou la chimiothérapie, n'est pas toujours nécessaire. Et bien sûr, la prise en charge de ces cancers dépend de l'équipe soignante en accord avec la patiente et bien sûr avec le médecin traitant pour la coordination des soins, pour la surveillance en ambulatoire et pour l'accompagnement de ces patientes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, il y a beaucoup de nouveau en matière, on a dit de diagnostic précoce. C'est essentiellement, donc, la recherche de cette hypertrophie endométriale chez toute femme ménopausée. Tout endomètre au-delà de 10 mm à l'échographie, n'hésitez pas à demander une hystéroscopie ou au moins un curetage biopsique de l'endomètre. Cette analyse biopsique de l'endomètre anatomopathologique permet de confirmer la malignité, d'évaluer la grade et surtout d'identifier le type histologique. Actuellement, donc on parle de type 1 qui sont les tumeurs, l'adénocarcinome endométrioïde qui ont un très bon pronostic, contrairement aux autres types histologiques, essentiellement les carcinomes à petites cellules et les carcinomes papillaires, puis les carcinosarcomes.
Donc, le diagnostic, bien sûr, anatomopathologique, doit précéder l'extension et la prise en charge thérapeutique. Le cancer gynécologique qui a le meilleur pronostic reste le cancer de l'endomètre. Ceci est dû donc au fait que les adénocarcinomes endométrioïdes sont donc de meilleurs pronostics et bien sûr que les autres ont un potentiel agressif plus important. La classification histopathologique a évolué. Il y a des essais de phase 3 concernant la chirurgie ou le traitement adjuvant qui ont modifié donc cette prise en charge, mais qui reste classique, qui est basée essentiellement sur la chirurgie première. C'est après la chirurgie première qu'on décidera de traitement de radio ou chimiothérapie ultérieure. Cette évolution donc se fait à plusieurs niveaux. Alors l'IRM pelvienne systématique plus l'exploration IRM des aires ganglionnaires, le traitement chirurgical. La voie d'abord chirurgicale, on peut privilégier la célioscopie pour les tumeurs limitées au corps de l'utérus ne dépassant pas les deux tiers de la paroi de myomètre. Donc pour les stades 1 et T1 par rapport à la laparotomie. Et puis la lymphadénectomie, c'est-à-dire le curage, l'indication est restreinte pour les tumeurs limitées. On peut ne pas faire de curage pour les tumeurs limitées de bas risque ou de risque intermédiaire. Pour les traitements post-opératoires, pour la radiothérapie, l'indication est restreinte aussi pour les tumeurs limitées au corps, c'est dire l'intérêt du diagnostic précoce. La chimiothérapie, il y a augmentation de l'inclusion des patients dans les essais cliniques, mais qui n'a pas encore prouvé son efficacité. La surveillance repose essentiellement sur l'examen clinique. Les nouvelles recommandations européennes, donc il y a une généralisation donc dans la recherche de l'instabilité des microsatellites. Ça veut dire que donc la biologie moléculaire va prendre beaucoup de place dans l'avenir et la classification en groupes qui sont dues à cette analyse moléculaire, P53, MSI et le POL, pour guider la prise en charge, essentiellement pour les tumeurs au début et qui permettent aussi de préserver la fertilité chez certaines femmes. La procédure du ganglion sentinelle ovaire d'indocyanine, actuellement parmi les recommandations, la technique est celle de référence pour les stades 1 et 2. Et la prise en charge doit assurer dans un établissement spécialisé, bien sûr, avec une collaboration, une équipe, chirurgien, radiothérapeute, chimiothérapeute et médecin traitant ou médecin omnipraticien, bien sûr. Le bilan, donc on en a parlé. Alors, les modalités thérapeutiques aussi. Pour la surveillance, vous savez que la surveillance après traitement repose sur la recherche d'une éventuelle récidive ou d'effets secondaires tardifs du traitement. Donc, je pense que Monsieur Manchin en a parlé. La prévention, dépistage d'un deuxième cancer, les actes et les examens réalisés. L'examen clinique comprend un examen gynécologique avec l'exploration et de la totalité de la cavité vaginale, les touchés pelviens, et sans oublier l'examen des seins qui fait partie de l'examen gynécologique. Et donc là aussi pour le dépistage de cancer du sein, l'examen systématique, une échomammographie à partir de 46 ans systématiquement chez toutes les femmes. Il n'y a pas d'indication pour imagerie ou biologie systématiquement. Donc bien sûr, cette surveillance se fait tous les 4 à 6 mois pour les stades au début, puis 4 à 6 mois les 5 premières années pour les stades 3 et au-delà. La surveillance peut être réalisée en ville par le médecin généraliste ou le gynécologue et la surveillance alternée avec l'équipe qui a traité la patiente. En conclusion, pour le cancer du col, nous insistons sur le dépistage cytologique qui reste la référence de façon internationale. Ça ne remplacera jamais la vaccination ni le nouveau test de dépistage d'HPV. Ce dépistage se fait tous les 3 ans à partir du premier rapport, 6 mois après pour éliminer les faux négatifs, et puis tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Toutes les femmes asymptomatiques entre 25 et 65 ans. Et bien sûr, nous insistons aussi sur le diagnostic et traitement des lésions pré-néoplasiques, les CN, donc le rôle de la colposcopie dans ce traitement. Pour le cancer de l'endomètre, nous insistons sur la nécessité d'un diagnostic précoce, essentiellement échographie systématique en cas de métrorragie postménopausique chez les femmes obèses, diabétiques ou sous tamoxifène. Et devant toute hypertrophie endométriale au-delà de 10 mm, il faut faire une hystéroscopie, un curetage biopsique de l'endomètre. Je vous laisse quelques références
pour les médecins généralistes, donc la haute autorité sanitaire française met à la disposition des médecins généralistes des protocoles de surveillance, une collection d'outils pour la pratique des médecins généralistes pour le cancer de l'endomètre et pour le cancer du col. Et je vous remercie. Vous avez été très rapide, mais si et vous avez ciblé l'essentiel à connaître concernant le cancer de col et le cancer de l'endomètre, surtout le traitement préventif qui nous intéresse. C'est-à-dire, il faut savoir quand est-ce que faire des un protocole classique de colposcopie. Donc, après cette inspection, on a cible acide acétique à 1%. Et puis, on regarde notre première agrandition, deuxième, et il faut voir le bon blanchissement. Si le blanchissement est tout à fait régulier, ou bien est-ce que c'est irrégulier? Lorsque c'est irrégulier, c'est en faveur d'une inflammation, par exemple. Et là, donc, juste après, on fait une application du glycol, qui est un colorant, et après le après cette application du colorant, on va voir ce qu'on appelle des zones iodonégatives. Donc, soit des zones iodonégatives irrégulières, soit des zones iodonégatives régulières. S'ils sont régulières, il faut les biopsier à ce niveau, et c'est comme ça qu'on fait des carcinomes, des diagnostics de CN1, CN2 ou de carcinomes in situ débutants. Est-ce qu'ils dispensent d'un produit vaginal? Parce que dans le centre de santé, on ne fait que l'hiver pour les dépistages du cancer. C'est le protocole de la santé publique. Il y a une la meilleure chose, lorsqu'on fait un frottis, lorsque le frottis est normal, vous êtes tranquille pour 2 ans. Mais pour l'idée, on est tranquille pendant 3 ans. C'est ce qu'on dit. Donc, soit on fait. Alors. Ça ne remplace jamais le frottis. Ça ne remplacera jamais le frottis. Ça ne remplace jamais le frottis. Même maintenant, parce que je vous ai parlé des recommandations en France, le test de dépistage des tests HPV au risque coûte par exemple à peu près 100 francs en France. Ici au Maroc, on ne peut pas le faire. Le frottis déjà coûte cher au Maroc. Donc c'est pour une analyse, ça coûte dans les 270 dirhams. OK? Alors, et lorsque vous faites un frottis ou vous avez un doute, vous complétez par une colposcopie, ça coûte dans les 400 dirhams, ça fait moins qu'un frottis de dépistage par. Et dans tous les cas, même si vous avez des lésions au test de dépistage viral, il faut faire le dépistage cytologique. D'accord. Donc, il vaut mieux garder l'attitude classique, un frottis tous les 3 ans. Un frottis tous les 3 ans, ça donne de très bons résultats. Vous avez vu qu'en France, le cancer du col passe en 7e position grâce au dépistage. Il y a, donc, on donne l'exemple de la Scandinavie, par exemple, où il n'y a plus de cancer au-delà du stade 1. Ça n'existe plus. Ils n'ont que des dysplasies CN1, CN2 ou au grand maximum un carcinome micro-invasif. Et donc là, une colonisation va suffire pour traiter ces femmes. Pardon, professeur, alors pour un frottis cervico-vaginal normal, ça ne dispense pas. S'il y a encore de la clinique d'électrovagie, des éléments, l'inspection, on voit des un col qui n'est pas normal, si on a un frottis normal, ça ne dispense pas. Il faut aller en lavande, faire la colposcopie. Merci beaucoup pour cette question. Alors, on parle de femmes asymptomatiques qui n'ont aucun symptôme. Et lorsque vous examinez, vous avez un col qui est strictement normal. Vous n'avez aucun signe de D. C'est là où il faut faire le frottis. Par contre, lorsque vous avez une rougeur périorificielle, lorsque vous avez une petite ulcération, vous avez un petit nodule, une papule, okay, ou un petit polype,
Là, on passe au diagnostic. Le frottis n'a plus de place. Maintenant, il faut faire la colposcopie avec des biopsies dirigées pour faire le diagnostic. La place de la vaccination. Oui. Alors, la vaccination, c'est un problème de santé publique. Comme vous savez, en France, il est recommandé chez les fillettes entre 9 et 13 ans. Et donc, il y a même, donc maintenant, ils ont inclus dans le nouveau programme de dépistage national les femmes ont jusqu'à l'âge de 25 ans. Qu'ils vont commencer en avril. Yad Bindi, les frottis cervico-vaginaux pour toutes les femmes. Si on arrive à faire les frottis cervico-vaginaux pour toutes les femmes, ce serait une très grande. Vous savez qu'un frottis systématique dans un cadre de campagne de dépistage coûte cher. Ça coûte 300-400 pour la femme. Oui. Et même pour la santé publique, on n'arrive pas à avoir une structure, je parle de campagne de dépistage, c'est-à-dire on prend toute femme venante, on lui fait un frottis. C'est ça ce que je veux dire. Donc, par exemple, en France, le dépistage, c'est un dépistage de masse. On convoque les femmes pour leur faire un dépistage. Si elle ne vient pas, on l'appelle, on lui dit comme quoi elle doit absolument venir pour faire son frottis. C'est de ça qu'on parle. Par contre, maintenant, concernant la vaccination, je sais que c'est très discutable. Même en France, il y a des réticences parce qu'il y a eu quelques cas d'atteinte de la moelle après ces vaccins. Mais il faut rester